Bonjour tout le monde, comment allez-vous aujourd'hui? Je suis très très heureuse de vous accueillir pour ce nouveau live. Ça y est, tout est connecté, c'est bon, tout va bien. N'hésitez pas surtout à me faire signe lorsque vous êtes arrivé pour que je sache que tout fonctionne bien, que les commentaires apparaissent. Voilà, vous avez tout ce qu'il faut, que vous m'entendez aussi, parce que souvent ça arrive, vous m'entendez pas. Voilà, pour que tout aille bien, donc n'hésitez pas à me faire part des choses dans vos commentaires. Ça y est, je vous vois arriver. Coucou Crapouillot, bonjour Marotine, bonjour Nathalie, Laurence. Super, bon, ça a l'air de fonctionner. Hey, coucou Ticia, comment tu vas, ma belle? Super, super, super. Bonjour Laurence, c'est bon, ça a l'air de fonctionner. Tout le monde arrive tranquillement, donc c'est génial. Bienvenue tout le monde, bienvenue à celles et ceux qui me suivent chaque semaine. Et aussi, bonjour et bienvenue aux nouvelles personnes qui nous rejoignent pour la première fois aujourd'hui. Bonjour Karine, comment vas-tu? Coucou Céline. N'hésitez pas d'ailleurs à me faire savoir dans les commentaires si vous arrivez pour la première fois et que vous partagez pour la première fois un live avec nous. Coucou Héloïse, bonjour Annie, tout le monde va bien, c'est top, top, top. Bien, qu'est-ce qu'il fait chaud aujourd'hui? Je ne sais pas vous, mais nous, l'orage approche grandement. J'espère d'ailleurs que ça va tenir jusque-là. Moi, il est prévu vers 15h. Donc, je croise les doigts pour que la connexion tienne le coup jusqu'à la fin du live. Et un petit peu après aussi, que j'ai le temps de télécharger la vidéo. Ça pourrait être sympa. Bonjour Sylvie, coucou ma Fabienne. Bonjour Patricia, je suis ravie que vous soyez là. Alors, oui, c'est bon, c'est top. Bien. Alors, aujourd'hui, vous l'avez vu ou pas d'ailleurs, en tout cas, celles et ceux qui voient sur ma page savent qu'aujourd'hui, nous faisons un petit panier pique-nique. Bonjour Laurence, bonjour Véronique, coucou Cécile. Oui, je vais bien, je te remercie. Coucou Alexandrine. J'espère que toi aussi, Cécile. Donc, un petit panier pique-nique qui est super mignon, je trouve. J'ai utilisé, vous avez vu, le béguin bleu, j'adore. J'adore ce bleu, c'est mon préféré. Bonjour Sylvie, coucou Monique, bonjour Rachel. Bienvenue, bienvenue, coucou Muriel. Comment vas-tu, ma belle? Donc oui, le béguin bleu, c'est vraiment une couleur que j'adore. Je crois que c'est mon bleu préféré. C'est. Voilà, regardez, hop. Voilà. Voilà comment ça se présente. Et du coup, ça s'ouvre, hop, comme ceci. Et comme ceci. Vous allez voir, c'est super facile à faire. Avec ta collection coup de cœur, Laurence, tiens, tu vois, je savais pas. 35 degrés, Muriel, ça m'étonne pas. Moi, c'est à peu près pareil. Mais il n'y a plus de soleil, ça y est. Coucou Isa, bonjour Marie-Dominique. Oui, il est assez grand, hein, parce que si vous voyez, je marche à l'envers par rapport à ma main. Voilà, il dépasse un petit peu de la longueur de ma main. Bonjour Nicole. Coucou Cécilia, ça va ma belle? Bonjour Marie-Claire. Bonjour Corinne. Donc vous allez voir, c'est quelque chose de très très simple à faire. Il vous faut deux morceaux de papier unis pour la base du panier. Donc vraiment très simple. Et puis du coup, voilà, on peut adapter avec plein de papiers dans plein de thèmes différents. Donc ça, c'est top. Juste avant de commencer, deux choses. Donc la première, vous le savez, vous allez avoir les mesures qui seront affichées sur l'écran. D'accord? Donc elles se trouveront, que je fasse pas de bêtises, là. Voilà. Donc vous aurez les mesures pour celles et ceux qui n'ont pas eu le temps de préparer les papiers après, avant. Bonjour Kikiren, bonjour Anita. Oui, on attend les orages, Cécilia, je suis bien d'accord. Cécile, bah oui, hein, j'imagine qu'avec les orages, là, ce n'est que le début. Bonjour Virginie. Donc vous aurez les mesures qui vont être affichées à l'écran. Je vais les laisser tout le long du live. Oui, ma Laurence, il n'y a pas de souci, t'inquiète pas, ma belle. Coucou Evelyne. Pendant le live, je vous afficherai quelques secondes les schémas pour que vous ayez une idée de ce qu'on va faire. D'accord? Et pour les personnes qui n'ont pas eu le temps, par exemple, de préparer les papiers ou qui vont trouver que pour elles ou pour eux, ça va un petit peu vite,
Pas de panique, coucou Sandrine, bonjour Catherine. Un DSP en deux fois au lieu d'une fois. Coucou tonton, le chat a encore rayé tes lunettes. Non, je me suis habituée aux lentilles. Jérôme, attends, si je ne me trompe pas, il fallait découper un DSP en deux fois au lieu d'une fois. Un DSP en deux fois au lieu d'une fois. Il faut que tu sois plus précis, Jérôme, parce que je capte pas ce que tu dis. Je vais afficher les mesures là. 38 Fabienne, mon Dieu, ça fait beaucoup. Pas de soucis. Mais oui, Gazelle, profite bien de tes vacances. J'ai aperçu quelques photos. Il me semble que tu es en Sicile. Profites-en bien, surtout. Le DSP du couvercle. Le DSP du couvercle, il en faut deux. Ouais. Qui mesure. Attends, que je te dise pas de bêtises. 8,7 par 7 et il en faut deux pour le couvercle. 8,7 par 7, il en faut 2. Ok? Sur le. Non. Sur le dessus. Ça marche? Donc, je disais, pour celles et ceux qui n'ont pas le temps de faire tout ça, oui, il y en a un au milieu, Jérôme. Il y en a un là, il y en a un là, et il y en a un au centre, en fait. C'est pour ça. Qu'est-ce que tu me dis? J'ai pris mon. Je ne sais pas ce que tu dis. Je vais redonner toutes les mesures, Jay, d'accord? Ça marche? Je vais les redonner dès qu'on va démarrer. Coucou ma Cathy, il n'y a pas de souci. Bienvenue ma belle. Donc, je disais, pour celles et ceux qui n'ont pas eu le temps de préparer les papiers, ne vous inquiétez pas. À la fin du live, vous aurez donc le replay, pardon, qui sera disponible sur. Je suis perturbée par les mesures de 4, non, 2. Il y a un endroit où il y a x4, hein, Jay. Il y a un endroit où il y a x4 pour le couvercle. Il y a x2, x4, x2, x1. Donc il y a même plus que ça. Ça marche? Ok? De toute façon, je vous ordonne. Donc, je vais y arriver. Le replay à la fin du live qui sera, donc il reste sur la page. Vous le trouverez également. Non, pas aujourd'hui, tiens. Vous le trouverez également sur mon blog, puisque vous le savez, chaque semaine, à la fin du live, vous avez tout un article sur mon blog qui reprend les photos du live, qui reprend la vidéo. Mais vous pouvez également télécharger la fiche technique du matériel, donc avec toutes les mesures et également les schémas. Ces fiches techniques sont vraiment top. T'inquiète. Donc vous aurez tout ça et vous aurez également la liste de tous les produits que j'ai utilisés pour les différentes versions du panier. Voilà, donc vous savez tout, maintenant nous allons pouvoir commencer. Vous allez voir que je vais, donc pendant le live, je vais vous proposer, même pas tonton, pas de citronnelle, non mais qu'est-ce que tu crois, je ne bois pas et en plus il fait trop chaud. C'est pas raisonnable. Je vais vous mettre un petit sondage, voilà, j'aimerais bien avoir votre avis. J'ai pour projet de proposer un mini kit échantillon, mais cette fois pas de papier, mais des nouveaux embellissements et rubans du catalogue annuel. Voilà. Donc un ensemble, hein, comme j'ai pu le faire précédemment, je crois notamment pour le mini catalogue de Noël l'année dernière. Et voilà, je me disais, peut-être que ça peut les intéresser de découvrir les différents rubans et les différents embellissements avant d'acheter des paquets complets. D'accord? Donc je voulais quand même savoir si ça vous intéressait. Pour cela, on va utiliser le sondage. Vous me direz oui, vous me direz non, et puis on va voir si je lance ça, si ça peut vous plaire. D'accord? Alors, je vais retourner ma caméra et en même temps, hop, je vais lancer le sondage, comme ça vous aurez le temps tout au long du live d'y répondre. Hop, il est où? Il est là, activé. Voilà, alors je vais juste vérifier que ça s'affiche. Mais oui, ma mumu, t'as droit à tout, ma belle. Voilà, apparemment, il me semble que le sondage est affiché. Donc voilà, et puis celles et ceux qui visionnent donc le replay. Alors déjà, faites-moi un petit coucou pour me dire coucou, je suis en replay.
Et puis, bah, si le sondage, alors le sondage ne sera plus actif hors live, mais vous pourrez très bien aussi répondre en commentaire, ça me fera plaisir. Merci Fabienne. Avec plaisir, Héloïse, je suis contente que tu l'aies reçu. C'est top. Ah, et j'en profite, je fais une petite aparté très rapide. Un aparté, pardon. Je voulais vous remercier tous parce que j'ai regardé par hasard ce matin le nombre d'abonnés sur ma page, là, sur la page Harmony Scrap sur Facebook. Et je suis à 1498 abonnés, presque 1500. Je n'en reviens pas. C'est hallucinant. Alors merci beaucoup à tous. Et puis sur YouTube, j'ai aussi dépassé les 700 abonnés. C'est beaucoup plus long sur YouTube, mais c'est juste incroyable. Donc merci à tous pour votre confiance et ben, pour votre fidélité. Oui, Ticia, tu cliques dessus, c'est tout. Donc merci, merci beaucoup parce que ça me touche énormément. Allez, on y va. Donc ce petit panier, je vous l'ai montré tout à l'heure, il s'ouvre sur les deux côtés. Nous avons hop, une anse ici qui est maintenue avec des attaches parisiennes. Voilà. Et je ne sais pas si vous avez vu, mais cette année, dans le catalogue annuel, Stampin' Up, ça y est, nous a remis. Merci Evelyne, merci Ticia, nous a remis des attaches parisiennes. Et elles sont super sympas, regardez. Donc il y en a un sacré paquet. D'ailleurs, je ne me suis même pas posé la question de savoir combien on avait. Bougez pas, il y a 200 attaches parisiennes. Coucou Louison! Laurence, tu me fais trop rire. Donc elles sont noires et blanches et il y a des carrés et des rondes avec deux tailles différentes, une grande et une petite, vous voyez. Donc ça c'est la carrée. Hop, et puis on a, je trouve pas les rondes. La plupart sont, alors les grandes sont carrées et les rondes sont le modèle en dessous. Je vais réussir à l'attraper. Voilà. Rachel, le sondage, alors je ne sais pas où il apparaît pour vous. Je ne sais pas trop, peut-être qu'une personne qui suit en live, voilà, ça c'est les rondes, pourra vous indiquer où ça se trouve. Merci Cécilia. Donc voilà, ça c'est les super attaches parisiennes. Et du coup, en noir et en blanc, et ben ça s'adapte avec toutes les collections qu'on peut utiliser. C'est vraiment super. Donc voilà, là j'ai pris une blanche et je pense que pour ma deuxième version, ça sera également une blanche. Donc là, vous avez vu, j'ai travaillé cette boîte de présentation. Ticia, vous me faites trop rire. Avec la collection Cueillette de pêche qui est juste magnifique, vraiment. J'ai mis du temps à travailler avec. Bon, vous me direz, ça fait qu'un mois et demi, que 2 mois que le catalogue est sorti, mais bon, quand même. Alors, vous voyez. Cette superbe collection. Alors, pour celles et ceux qui ne le savent pas, les papiers sont présentés deux par deux, recto, verso, à chaque fois. Voilà, vous avez ici un aperçu de ces magnifiques papiers. Ils sont juste incroyables. Donc là, on est sur du format 30,5 par 30,5, vous voyez. Et sur votre catalogue, vous trouverez à la page 60. Ici, comme d'habitude, vous le savez, et sinon vous le découvrez, ici vous avez l'ensemble des, bonjour Claude, des couleurs unies, coordonnées avec cette magnifique collection de cueillettes de pêche. Pas de soucis Catherine, belle journée à toi, j'espère que tu vas bien. Merci d'être passée faire un petit coucou du coup. Voilà, ça c'est donc pour le papier design. Coucou Karine, ça va ma belle? Évidemment, vous le savez, nous avons forcément les tampons et les poinçons qui sont coordonnés. Et alors là, ils sont plus vrais que nature. C'est vraiment trop beau. Donc, je vous ai fait les tamponnages et j'ai également collé donc, les découpes sur cette présentation pour que vous ayez un réel aperçu de ce qui est disponible. Je l'ai fait en couleur pour que ce soit un peu plus fun, un peu plus vivant. Donc là, le lot 12 heures de pêche. Voilà, donc ici c'est tamponné et ici c'est une découpe, donc en deux parties. J'ai mis des feuilles de travers, je me suis trompée, j'ai oublié de les mettre de côté, mais bon, le principe est le même, hein, vous aurez compris. Alors, vous voyez, c'est une découpe, hein, la deuxième. Ici vous avez le tamponnage, ici également, avec les découpes coordonnées que vous pouvez apercevoir ici.
Donc, la découpe pour le feuillage, la découpe pour les fruits, là, les petites fleurs. Et puis, les sentiments. J'adore la police d'écriture. Attendez, je vais retourner ça un petit peu comme ça. La police d'écriture est vraiment magnifique. J'adore. On a différentes tailles. Je suis complètement fan de ces sentiments. Regardez comme c'est beau. Ça donne envie, hein? Moi, je suis fan. Donc voilà, et vous avez aussi une toute petite étiquette ici et des mini fleurs, hop, ici. Les découpes également. Voilà, ça, ce sont des découpes. Ça doit être Cora Calypso que j'ai utilisé, Laurence. Oui, c'est ça, Cora Calypso pour le tamponnage de mes pêches. Hop! Voilà, donc ça c'est la fameuse collection cueillette de pêche qui est superbe. Ensuite, les étiquettes, ça vous les avez déjà vues, hein? Coucou Fatou, ça va ma belle? Vous avez les nouveaux tags cette année. Voilà, toutes ces découpes qui sont trop belles. Et vous avez même les petits œillets qui sont coordonnés. Donc je les ai utilisés ici pour découper donc mon étiquette en papier blanc pour faire mon tamponnage. Et une autre derrière avec du papier design pour lui donner un petit peu de relief. Voilà. Aujourd'hui, je travaille avec la collection Pétales de Pensée que vous connaissez déjà beaucoup, je pense. J'avais envie de continuer dans les couleurs chaudes et l'été. Donc voici la collection Pétales de Pensée. Toujours le même principe, hein. Bonjour Marie-Thérèse, comment vas-tu? Les papiers design, recto verso, les couleurs unies ici. Beaucoup d'entre vous, je le sais, aiment beaucoup le papier Vichy, trouvent ça très sympa et je suis bien d'accord avec vous. Voilà. Ici, ce papier-là, en fait, vous permet de découper. Non, elle bosse, Cathy. De découper les pensées. 53 pensées pour une feuille de papier design. Voilà, donc vous avez le poinçon. Et pour les feuilles, sauf erreur de ma part, on est à plus de 130 feuilles qu'il est possible de découper par page 30,5 par 30,5. Tu fais pareil, Laetitia? Super! Trop bien! Et donc, les fameuses couleurs unies ici. Et on retrouve bien sûr les tamponnages et les poinçons qui sont très nombreux et très variés dans cette collection. Vous voyez, vous avez les découpes de fleurs et de feuilles ici et là, vous avez le montage que j'ai encore. J'ai oublié un pétale là, mais enfin, vous avez compris le principe. Donc, vous voyez, en deux fois, voilà, j'ai fait cette présentation pour vous montrer un petit peu le montage. Voilà, ici, vous avez bien la fleur blanche, la partie violette et ici. La feuille, c'est un peu flou, le zoom ne veut pas se faire. Et puis vous avez toutes les parties de la pensée et vous pouvez également tamponner, puis ensuite avec le poinçon découper le contour. Voilà, et pareil ici. Les sentiments, vous le voyez, sont à nouveau en français, contrairement à ce qui est indiqué sur le catalogue. C'est bien en français. Vous avez le petit mille merci ici et celui-ci. Voilà pour les présentations. Je vous invite maintenant à vous munir de votre matériel et nous allons tout de suite commencer la réalisation de ce petit panier. Pour démarrer, nous allons commencer par la base de la boîte qui est d'une simplicité déconcertante. Vous allez le voir, d'accord? Quatre plis, un petit peu de découpe et puis ça sera bon. Et un tout petit peu plus de plis pour le couvercle, mais vraiment. Très simple, ne vous inquiétez pas. Vous êtes prêts, on y va? Alors, c'est parti. Dans un premier temps, je vais vous afficher à l'écran, hop, le premier schéma qui correspond donc à la base de la boîte. Et pour cela, on prend tout simplement un morceau de papier A4, sans le découper. Ça marche? Alors aujourd'hui, là, vous ne pouvez pas voir la différence à l'écran. J'utilise en fait le papier blanc simple, mais le cartonné, qui est donc un peu plus épais et qui, je trouve, est idéal lorsque l'on fait des petites boîtes
comme celle-ci, puisque du coup il est un petit peu plus solide, un petit peu plus épais. Donc vraiment, ça tient très très bien. Le blanc simple va très bien aussi, hein, ne vous inquiétez pas. Mais c'est un petit confort supplémentaire. Donc le blanc simple cartonné épais. Je prends mon coupe-papier. Donc vous avez vu, je vous avais mis les images, les mesures à l'écran. Et donc, on y va. Nous allons commencer les plis. Je vais peut-être décaler les mesures de l'autre côté. Voilà, ça gênera moins à l'écran. Est-ce que c'est bon? Vous êtes toutes prêtes? Toutes et tous prêts, pardon. Alors, Christelle, c'est ton coup de cœur, les pensées, ça m'étonne pas. On y va? Allez, c'est parti. Alors, pour cette base de boîte, très simple, vous faites 4 plis à 6 cm sur chaque côté. C'est tout. Donc je positionne mon papier. Alors, encore une fois, mon zoom fait des siennes. Voilà. C'est bon. Donc un premier pli à 6 cm. Top départ, Fabienne, on y va. 6 cm. Donc, quand c'est du papier épais, on insiste un petit peu plus sur le marquage du pli. Je retourne mon papier, à nouveau 6 cm et on fait ça 4 fois. Ah, ma petite Cathy a pris le relais de Sandrine et elle vous marque les mesures. Merci ma bichette. Du coup, tu vas pas scraper en même temps. Tu le feras après. Je vais juste insister un petit peu plus. Voilà. Et c'est parti. On fait ça sur les 4 côtés à 6 cm. Donc vous voyez, ça n'a absolument rien de compliqué. On positionne. Oh, c'est la folie les arnaques là aujourd'hui, hein. Mon Dieu! Ah Héloïse, alors dis-moi, je suis curieuse, quelle est celle que tu apprécies le moins? Tu feras après, ça marche ma belle. Merci beaucoup. Alors voilà, nous avons fait nos 4 plis. Maintenant, nous allons simplement, vous en avez l'habitude maintenant, venir désolidariser les 4 carrés extérieurs. D'accord? Oui, je suis assez d'accord Laurence. C'est vraiment par période, hein. Donc, hop. On marque légèrement les plis pour l'instant. Voilà, pour qu'on voit un petit peu mieux. Donc vous voyez, alors je vais essayer de zoomer là. Voilà, j'espère que ça va vous aider. Donc ici, j'ai un premier carré. Je vais simplement venir couper ici. Hop, je vais faire pareil sur le carré de droite. Voilà. Je retourne mon papier complètement et je viens désolidariser pareil en face. Voilà. Et je fais pareil pour celui-ci. Voilà, là nous avons, donc on se retrouve, hein, vous voyez, vous avez les deux carrés extérieurs désolidarisés. À 6 cm, Monique. La collection des félins, ouais, ah bah, elle est particulière. Hein. Soit on l'adore, soit on la déteste. Il y a rarement d'entre deux, mais il y en a quand même. 6 cm, Monique. Je prends mon pliwar et je viens marquer mes plis. On garde les carrés, hein, par contre. Pour l'instant, vous allez voir, on va juste en couper une partie. Voilà, je viens marquer les plis. Oh là 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 là, décidément, c'est au moins le quatrième, là.
je multiplie de chacun des morceaux. Et là, la prochaine étape, vous allez voir, elle est très simple. Je vais entrer donc le grand rectangle et je vais garder uniquement, hop, vous voyez, j'ai rentré la partie centrale. Et je vais venir sur mon coupe-papier, positionner ici à 2 cm. En fait, il faut ni plus ni moins que vous coupiez ici une petite languette qui ne mesurera que 2 cm. D'accord? Cécilia, écoute, j'en sais rien, mais j'ai au moins 4 messages qui s'affichent à la suite. 1, 2, 3, 4, ouais. Voilà, donc vous rentrez la partie au centre, vous venez la positionner à 2 cm. Ouais Fabienne, je suis d'accord ma belle, j'y pensais. Et on vient couper en fait deux petites languettes de 2 cm. D'accord, donc maintenant on se retrouve avec ceci. C'est encore... Voilà, ok. Et on retourne, on fait exactement pareil de l'autre côté. Voilà, j'enlève ça. Même principe, je rentre la partie centrale à l'intérieur. Je positionne mon papier et je crée deux petites languettes de 2 cm. Hop, tout simplement. Voilà. On va procéder dans un second temps à la déco. On va venir maintenant créer le couvercle de ce fameux panier. Hop, vous voyez, je vous montre juste ce que ça va donner. Les petites languettes vont entrer à l'intérieur. Et on va se retrouver, voilà, avec la base de notre panier. Donc, vous voyez, c'est très simple. Juste une petite précision, tiens, que j'ai omise encore, c'est de biseauter les angles de vos petites languettes. Ce sera plus joli au moment du collage de la base. Voilà, en général, on le fait très régulièrement lorsque l'on fait des boîtes. En tout genre, on vient biseauter les angles des languettes. Ça évite en fait au moment du collage ici que ça ne dépasse du bord. Ok? Voilà, donc je vais faire ça rapidement. Voilà. Et voilà, et la petite dernière. Ça va tout le monde? C'est ok pour vous? On peut continuer à attaquer le couvercle? Après, on se fait plaisir avec la déco, je vous promets. Alors, j'en ai mes petits bouts de papier, là. Voilà, on va avoir un petit peu d'espace. Alors, pour le couvercle, il nous faut un deuxième morceau de papier uni. Donc, j'ai toujours gardé le papier blanc épais, cartonné, qui mesure 23,9 par 15,2. Oh non, ma Cathy, stresse pas ma belle, tout va bien, ne t'en fais pas. D'accord, tu assures. Pas de panique. Donc le morceau de papier uni pour le couvercle mesure 23,9 par 15,2. Hop, vous avez les mesures. Oh, ce zoom m'agace. Bon, vous avez, hop, ici, là, la mesure de la base du couvercle. Ok ? Incroyable. Alors, on y va pour les plis. Allez, je vous montre. Je vous affiche le schéma ici. Voilà, vous avez à l'image le schéma de plis et de coupe du couvercle. D'accord? Normalement, vous avez vu, c'est pareil, hein, c'est très simple. On va faire quelques plis, quelques découpes pour désolidariser chacune des parties latérales. Et puis après, ça sera bon. Ça y est, vous avez une idée, c'est bon. Alors, on y va, on le fait. On se lance. Non, j'espère que non, hein, Fabienne, tu rigoles. Ils me fatiguent, ces gens-là, mon Dieu. Ils n'ont pas autre chose à faire que venir polluer notre espace, là. Mon Dieu. Ah, les vilains. Pour celles et ceux qui nous rejoignent juste maintenant, d'abord, bienvenue, nous sommes en train de réaliser
un petit panier pique-nique, hop, qui s'ouvre sur les deux côtés avec une petite étiquette. Voilà, avec une anse qui tient avec des attaches parisiennes. Et vous avez également en ce moment un sondage qui est ouvert, n'hésitez pas à y répondre. On attaque les plis, donc je positionne mon papier pour ma base de pour mon couvercle, pardon, avec le bord long en haut et on se lance. Le premier pli est à 3 cm. Donc, le premier pli est à 3 cm. Alors, je les positionne bien. Voilà, celui-là n'est pas droit. 3 cm pour le premier pli. Alors, je vais appuyer un tout petit peu plus. Voilà. Le second est à 10,5. 3 cm, 10,5. 3, 10,5. On passe ensuite à 13,4. Donc je répète, 3 cm, 10,5, 13,4 cm. Et pour finir, 20,9. 3, 10,5, 13,4 et 20,9 pour les mesures de pli sur le bord long. Ok, c'est bon pour vous? Nickel, ma Cathy, c'est parfait. Je retourne mon papier. Je savais bien qu'il y avait un truc qui me gênait. Je retourne mon papier et je viens simplement faire deux plis à 3 cm de chaque côté. Pour plus de facilité pour maintenir mon papier, je vais aller mesurer sur la droite de mon massicot, ici, parce que vous voyez, j'ai une meilleure prise ici. Donc sur le bord court de mon massicot, je viens mesurer à 3 cm. Bonjour Véronique. Ah non, toutes les semaines c'est à 14h. Mais c'est pas grave, vous pouvez continuer à partager ce moment avec nous et puis faire le replay ensuite. Et je retourne complètement pour faire venir, pour venir faire à 3 cm également sur l'autre côté. Voilà. Karine, pas de soucis. Bon après-midi, à très vite. Bonjour Viviane, j'espère que ça va bien. Voilà, donc nous avons, ça y est, fait tous les plis de notre couvercle. Alors, maintenant, nous allons simplement, comme je vous disais, venir désolidariser chacune des parties. Je vous remontre le schéma à l'écran pour que vous puissiez avoir une idée. C'est vrai que les plis sur le papier blanc à l'écran ne sont pas très très évidents à voir. Hop. Donc là, je viens tranquillement marquer mes plis de mon couvercle. Voilà. J'ai reçu, je crois, une notification d'une personne qui a fait une demande d'adhésion au groupe des portes ouvertes virtuelles. Eh bien oui, elles sont toujours d'actualité. Je les étale, en fait. Nous avons fait la semaine dernière, jeudi dernier, l'épisode numéro 5. Voilà, des portes ouvertes un petit peu différentes de ce que j'ai déjà proposé. Vous pouvez toujours demander votre adhésion. Attention, les questions, les réponses aux questions que j'ai posées sont obligatoires. S'il n'y a pas de réponse à ces questions et selon vos réponses, je ne pourrai pas accepter votre demande. Coucou Dominique, ça va ma belle? Alors, maintenant que les plis sont faits, nous allons venir désolidariser tous ces morceaux. Donc, on sépare au niveau des plis et on s'arrête à la première ligne de plis horizontale. Et on vient séparer tous les rectangles et les carrés sur un premier côté déjà, puis sur un second. Merci.
Alors, je vais vous montrer un petit truc. Vous allez voir. Lorsque vous avez fait votre pli, enfin vos plis, pardon, vous avez comme un petit bourrelet ici. Non, attendez. J'aimerais bien que le zoom se fasse correctement, que je puisse vous montrer. Plus près encore? Voilà. Vous avez le petit bourrelet là. Ah. Sois gentil, petite caméra. Accepte. Elle est un peu longue à la détente, elle a chaud, elle est comme moi. Je voudrais réussir à zoomer pour vous montrer ceci. Vous avez un petit bourrelet en fait. C'est un peu flou, hein, je suis désolée. Ça a l'air pas mal là. Eh bien, ce petit bourrelet, vous allez découper à sa droite puis à sa gauche. Ça va réduire un petit peu la languette. Et pour ce qui est du petit carré au centre ici et le même en face. Jérôme, sérieusement? Céline, les portes ouvertes, ça consiste en quoi? Eh bien, en fait, c'est un groupe privé sur Facebook qui s'appelle en l'occurrence les portes ouvertes virtuelles by Harmony Scrap. Et en fait, je fais des lives afin de présenter en fait les différentes collections du, en l'occurrence, du catalogue annuel qui vient de sortir au mois de mai. Mais je ne me contente pas de juste présenter les collections. Voilà. Les participantes, vous en parlerez sûrement mieux que moi. Mais voilà, c'est des moments assez sympas, avec des petits projets, etc., etc. Voilà, donc j'en suis à couper mes petits bourrelets. Évidemment, ces portes ouvertes sont réservées à mes clientes et clients actuels ou futurs. Voilà. Je me bats avec le petit bourrelet là qui a décidé de faire des siennes, mais j'aurai sa peau. Voilà. Je ne vais pas me laisser embêter par un petit bout de papier. Le club des bourrelets. Je t'en prie, Céline, avec plaisir. Me fait rire. Allez, hop. Je viens désolidariser les autres parties en face. On n'oublie pas de biseauter les petites languettes, vous le savez. Toujours pour le côté pratique et esthétique. Mais non, on est fait comme ça avec nos petits bourrelets, c'est pour ça qu'on nous aime. Vous inquiétez pas. Tant qu'on est à peu près en bonne santé, le reste, pas de panique. Alors, je suis assez lente ici, c'est juste que je voudrais découper mes petits bourrelets correctement. Voilà. Et c'est OK. Voilà. Et on biseaute donc tranquillement les petites languettes sur les petits carrés. Tout est petit, vous avez vu? Alors oui, je lui avais dit de venir avec toute sa famille. Il m'en manque un bout là. Hein. Ah oui! Vous me faites trop rire. Si j'avais su qu'on en arriverait là avec ces petits bourrelets de papier. Ok, il me reste ici à biseauter un petit peu. Et puis du coup, on va pouvoir attaquer la déco. Non, j'ai déjà commencé à préparer du papier, hein, bien sûr, pour ma déco. Donc, pour essayer de ne pas vous retenir trop longtemps. Bien que je sais qu'il y en a plein qui vont me dire, mais non, c'est déjà fini, on veut pas que ça s'arrête. Moi non plus, hein, je vous assure. Là. Voilà, nous avons notre couvercle.
Nous allons attaquer la anse. On va compter les petits aujourd'hui pour avoir. Plus c'est long, plus c'est bon. Mais oui, bien sûr. Je crois qu'il n'y a jamais eu autant de fake sur. Sur un groupe, c'est hallucinant. Je comprends pas ce qui se passe là. Enfin bref, allez, on va y arriver. Un morceau de papier uni pour la anse qui mesure 21 par 2,9 cm. Ok? Avec son morceau de papier design qui fait lui également 21 cm, donc qui va bord à bord, mais pas sur les côtés, puisqu'elle ne fait que 2,4 cm cette bande. Sylvie, pas de soucis, merci de me prévenir en tout cas et de pas partir comme ça, c'est adorable. Bon après-midi à vous. La anse, 22 cm par. Non, 21 par 2,9 cm pour le papier uni. Et le papier design mesure 21 par 2,4. Les marabouts aiment le scrap. J'ai un doute. J'ai un gros doute, mais on va dire que c'est ça. Hein. Ok. Ça, c'est bon. On va attaquer la partie où on fait les petits trous pour faire tenir la anse sur le couvercle. D'accord? Je suis en train de réfléchir. Celle-là, elle reste blanche, donc on peut faire ça maintenant. Pour cela, vous vous munissez de votre matériel que vous avez. Que vous avez. Là. Elle ne voulait plus s'ouvrir. Merci, ma Laurence. Faut le supprimer du groupe. Bah oui, je sais pas, je comprends pas. Là, c'est de la folie furieuse aujourd'hui. Bref. Donc, nous allons nous attaquer aux petites languettes centrales et pour cela, nous allons venir faire un trou tout simplement au centre de ce papier. Voilà. Un petit trou ici et pareil en face. Ouais, je suis d'accord, Héloïse. Quelle plaie aujourd'hui! Ça doit être l'orage, là, ça les énerve. Hop, et le deuxième petit trou, donc, au centre de ces languettes latérales. Ensuite, on va commencer à mettre nos morceaux de papier design. En général, j'aime bien le faire à plat parce que c'est un peu plus pratique, je trouve, pour coller les papiers design quand le support est à plat. Par contre, si vous préférez, vous pouvez aussi monter votre couvercle et votre base de boîte et ensuite venir coller vos papiers design. Alors, pour le couvercle, il vous faut 4 morceaux de papier design qui mesurent 7 par 2,5 cm. Décidément, ah, ça y est, 7 par 2,5 cm. Et il vous en faut 4. Et là, en fait, ces morceaux de papier. Ok, Laurence, ouais, je suis désolée, ça m'étonne pas. Je pense que le temps est assez électrique en ce moment. Ils vont venir, pardon, se mettre ici. N'oubliez pas, si vous avez du papier design qui a un sens, à bien lui mettre la tête en haut. Donc, comme ça sera à l'opposé. Voilà. Donc, les 7 par 2,5 viennent ici et là. Ensuite, un autre morceau. Coucou Martine, comment tu vas ma belle? Bonjour l'autre Martine, j'ai les deux Martines qui arrivent en même temps, c'est trop fort. Le morceau de papier design qui va venir ici au centre mesure 8,7 par 2,4. 8,7 par 2,4. Attendez, bougez pas, ça va venir. Non, ça ne veut pas, hein? Ah si. Ok? Oui, Martine, il n'y a aucun souci, pas de problème. Il viendra
Ici. Oh, merci Evelyne, c'est trop gentil. Ensuite, deux autres morceaux de papier design, 8,7 par 2,5. Et vous vous en doutez, il n'y a plus beaucoup d'endroits où les mettre. Donc, on est bien ici et là. D'accord, donc là, on a toutes les petites parties. Oh, l'orange des yeux. Ok, et pour finir, les deux grands morceaux ici mesurent 8,7 par 7 cm et il vous en faut deux. Là encore, faites attention à la disposition de vos papiers. Voilà. Vous avez maintenant la position pour la déco, ou presque, parce que... Comme d'habitude. Faut vraiment que j'arrive à trouver, à comprendre cette histoire de zoom qui m'agace, des flous. Ah, ça y est. Voilà, donc là, vous n'avez plus qu'à coller ce papier design. Je vais essayer de faire ça quand même assez rapidement. Hop. Bien sûr, si vous le souhaitez, hein, vous pouvez ajouter des morceaux de papier de matage. Donc, ajouter du papier uni d'une couleur plus claire ou plus foncée pour trancher entre votre base et votre papier design. Il suffit simplement d'adapter vos mesures, c'est-à-dire qu'il faut utiliser les mesures que je vous ai données pour le papier design ici. Eh bien, vous le transposez sur le papier de matage et vous réduisez vos mesures de papier design de 0,5 cm. Je vais essayer de faire ça rapidement, mais proprement. Alors, Isa, il y a les mesures affichées à l'écran, sauf que là, apparemment, vous ne les voyez pas. Est-ce que c'est mieux si je les bascule ici? Parce que du coup, si vous avez le en direct, j'ai mis mon papier à l'envers. Voilà. On y va. Ça va tout le monde? Je ne vous ai pas perdu. Vous arrivez à suivre. Vous voyez, c'est pas compliqué, hein. On peut prendre beaucoup de plaisir à la réalisation de ce petit panier. Et puis une fois qu'on l'a fait une fois, après on peut s'amuser à en faire plein. À offrir par exemple pour un petit goûter d'anniversaire ou ça peut être sympa. Peux-tu te poser correctement, s'il te plaît, mon cher papy? Il va nous rester ensuite, évidemment, à faire décorer la base du panier et puis à faire les petits trous pour la anse de notre panier. Mais vous allez voir, c'est très simple. On va se servir en fait des pré-trous que nous avons fait dans nos petites languettes pour adapter en fait le positionnement de la anse et des attaches parisiennes. Voilà. Jay, est-ce que c'est bon? Est-ce que tu t'es repéré dans les mesures de papier design ou pas? Dis-moi. Ok, Isa, mais du coup, est-ce que ça t'aide d'avoir les mesures à l'écran? Tu les vois en bas? Ok, Jeff, c'est super. Si tu as ce qu'il faut, moi ça me va. C'est tout ce que je demande. T'inquiète, t'inquiète, tout va bien. T'as vu, hein? Ça va bien. Voilà. Voilà. Tout ça va rentrer. Voilà, les petites languettes vont se coller comme ceci. Hop. Vous allez voir, ça va être super simple. Maintenant, je prends. Je vais venir
positionner la hanse, vous voyez, juste là, comme ça, au bord. Voilà, je reporte la petite languette et je viens simplement faire une petite marque ici, d'accord? Et je fais pareil de l'autre côté, je positionne ma petite hanse, voilà, et je viens marquer le trou et je viens le reporter ici au travers de mon papier design et de mon papier uni. Voilà, et on fait pareil de l'autre côté. Nickel, on met ça de côté rapidement et on s'en reprend la base. Hop, et on vient faire la déco. Pour cela, il vous fallait 4 morceaux de papier design. Très simple. Vous allez voir, il n'y en a que 4 à coller. 8,5 par 5,5, il vous en faut 2. 8,5 par 5,5, hop, ça c'est pour les grandes parties. Encore une fois, faites bien attention. Ici, je n'ai pas le problème, ce sont des petits pois. Donc, il n'y a pas de problème de sens. Par contre, si vous, vous en avez un sur vos papiers design, faites bien attention à les mettre dans le bon sens. Et les deux autres papiers mesurent 17,2 par 5,5, hop. Et hop, on a juste à les coller. Et ensuite, nous venons refermer notre boîte. Voilà. Le contraste devrait être assez sympa. En fait, c'est ni plus ni moins, vous avez vu, le même papier design. J'ai pris son recto et son verso. Et c'est d'ailleurs ce que j'avais fait pareil hein, sur le petit panier de présentation avec la collection de pêche. Il me semble que c'est du recto verso. Ouais, c'est bien ça. C'est une feuille 30-30 en recto verso. Du coup, on est sûr de ne pas se tromper par rapport à la coordination des couleurs. Ça, j'adore. Alors vous le savez, hein, toutes ces collections-là sont disponibles en ce moment. La seule collection qui est plus que largement victime de son succès, c'est Encre Animée. Par contre, pour le reste, c'est bon, c'est reparti. Et il y a même aussi toujours les liquidations du mini-catalogue janvier et juin 2021. Il y a toujours quelques produits quand même qui sont à des promos, des réductions très intéressantes. Donc c'est super intéressant, vous pouvez aller sur ma boutique en ligne, vous avez le lien dans la vidéo, ou à l'image à l'écran d'ailleurs. Et puis n'oubliez pas, hein, si vous utilisez le code OTESS, je vous envoie à chaque fois un petit cadeau. Voilà, hop, on va venir donc coller. Madame Red, bienvenue, pas de soucis, je vous en prie. Mais vous pouvez rester avec nous jusqu'à la fin quand même pour profiter de la fin, il n'y a pas de souci. Et puis vous pouvez aussi en profiter pour répondre au petit sondage qui vous est proposé. Merci Marie-Thérèse. Un beau cadeau. Bah je sais pas ma petite Fabienne, je sais pas, j'espère que ça plaît en tout cas. En général quand mes clientes les reçoivent, j'ai toujours des petits mots sympas derrière et je ne vous cache pas que ça fait un grand plaisir. Et je viens coller donc mes petites languettes. Fabienne, t'es trop mignonne. À force, je me demande si t'es vraiment très très objective, mais en tout cas, je le prends avec plaisir. Ça, c'est certain. Hop. Voilà. Et c'est presque fini pour la base. Ici.
Avant de faire se rejoindre tout ça, il nous reste un petit détail à faire sur cette base de boîte, c'est-à-dire le petit trou pour rejoindre la anse avec tout le reste, pour solidariser en fait. Tu as raison. Excusez-moi, j'ai une crampe dans le doigt. Oh. Je suis désolée, c'était pas prévu. C'est moins pratique. Ok, alors nous allons donc, je disais, ouais, j'ai tiré dessus. Donc, oui, je disais, il manque. Oui, ça fait très très mal, mais ça va passer. Il nous manque un petit trou à faire sur les deux côtés de notre boîte, d'accord, pour pouvoir bien sûr fixer la anse avec l'attache parisienne. Alors, on va faire ça dans l'ordre. Nous allons, maintenant que tout le papier design est collé, nous allons venir monter notre couvercle. Donc, on fait bien attention de ne coller que les deux petites languettes aux deux extrémités et pas celle du centre. Hein. D'accord? Donc, vous voyez, ça va faire comme ça. Donc là, on vient déjà coller ça. Ça sera plus facile pour la suite, vous allez voir. Peut-être insister un peu. Voilà. Sur le pli. Hop! Et on monte déjà le couvercle ici. C'est ok pour vous? Vous avez commencé à voir le truc. Mes deux petites languettes sont collées. Je fais pareil de l'autre côté. Comme mon papier est très épais, je n'hésite pas à bien marquer les plis avec mon plioir. Voilà. Et ensuite, on va simplement poser notre couvercle sur la boîte et puis faire le même principe que ce qu'on a fait tout à l'heure, c'est-à-dire marquer l'emplacement du petit trou, comme ça tout sera en face et ça va être nickel. Voilà. Donc je viens po oh, j'adore. Poser mon couvercle. Voilà. Regardez, ça va être sympa aussi, hein. Je suis contente. Les petites languettes vont venir ici. Hop, donc là, tout est bien posé. Je viens simplement marquer au crayon que j'ai perdu, qui est là. L'emplacement du petit trou. Hop, et je viens déjà faire le trou. Voilà, et je fais pareil de l'autre côté. Voilà. Comme ceci. Je prends donc l'anse de mon petit panier. Vous voyez, je vais positionner. Je prends mon attache parisienne. Donc là, du coup, je reste sur la blanche. J'aime bien la blanche, hein. Je la rentre dans la anse. Je la rentre dans la languette. Je la rentre dans la boîte. Hop, et je viens serrer tout ça. Je tourne un peu. Voilà. Zou. Et je fais pareil de l'autre côté.
mon attache dans la anse, dans la languette et dans la boîte. C'est ok pour vous? Hop, et je resserre à l'intérieur mon attache. Là. C'est nickel. Et voilà. Vous avez vu? Ça rend trop bien. Hein, c'est top. J'aime beaucoup aussi ce combo de couleurs avec cette collection. Et puis pour finir, bah écoutez, vous pouvez rajouter, si vous en avez envie, vous pouvez rajouter une petite étiquette. Donc ici, ce sont les tags, hein, que je vous ai présentés en début de live. J'ai pris deux fois le même poinçon. Une fois découpé dans le papier blanc que j'ai un petit peu tamponné. Et une fois découpé dans le papier design, vous voyez. Et puis je me suis servi toujours du papier design avec, je vous ai dit, hein, on a des petits œillets aussi qui s'adaptent parfaitement aux tags. Donc là, je l'ai découpé dans le papier design pour lui donner un petit peu plus de peps. Attendez, hop, voilà. Et puis j'ai utilisé les tampons et le sentiment qui sont disponibles dans le set. Et donc après, il suffit simplement de prendre un petit morceau de ruban ou de ficelle pour venir accrocher votre tag à la anse. Voilà, ici je prends de la ficelle blanche tout simplement. Voilà. Et je viens la fixer à mon panier. Et donc ça va venir ici. Vous pouvez aussi mettre une attache parisienne si ça vous plaît. Hein. Voilà. Ici, pourquoi pas, une autre petite attache. Enfin voilà, vous adaptez avec votre ruban, votre ficelle, vraiment tout ce qui vous plaît, ce qui peut vous faire plaisir. Voilà, voilà. Je suis trop contente de ce combo. Regardez, voilà, à l'écran. Voilà, on a deux versions très fleuries, je vous l'accorde, hein. De ces petits paniers, donc avec pétales de pensée et cueillettes de pêche. Voilà, j'aime beaucoup. Finalement, on voit qu'on reste dans le même principe. Coucou Gaëlle! Ah, je viens juste de terminer, ma belle, je pense fort à toi. Puis tu me feras un petit coucou en replay aussi, hein. Ça marche? Donc voilà, on a ces deux versions de petits paniers, très sympas. Oui, effectivement, tu as raison, Laurence, hein, ça rappelle un petit peu les boîtes de couture. Merci Cécilia, je suis contente. Merci Gaëlle, c'est sympa ma belle. Voilà, c'est très sympa. Et puis bah, vous le savez, hein, vendredi, je vous présente une autre version dans une autre collection qui est assez sympa aussi. Alors on reste hein, dans les couleurs gaies, flashy. Voilà, mais vous, puis moi du coup, j'ai hâte de voir vos versions à vous. merci ma Fabienne. J'ai hâte de voir ce que vous avez réalisé, utilisé comme collection. Donc n'oubliez pas, si vous partagez ces petits paniers sur la toile, et bien simplement d'ajouter à votre publication le hashtag HarmonyScrap, tout en un seul mot. J'adore, je suis bien, je vais le faire en replay. Merci Virginie, c'est top. Merci Sandrine. Merci Martine. C'est super. Donc oui, n'hésitez pas à partager vos belles créations avec le hashtag HarmonyScrap. Pour que je puisse être notifiée simplement et puis pour pouvoir les voir. Voilà, j'espère que vous avez... Oui, c'est chaud, Cathy, hein, mais bravo, t'as relevé le défi haut la main. Merci, Céline. Voilà, merci à tous. Je vous remercie de m'avoir suivi, d'avoir partagé ce moment-là avec moi. Merci, Isa. Merci, Marie-Claire. Merci Karine, t'es gentille beaucoup. Merci, merci, merci. Merci pour tous ces abonnements, que ce soit sur la page, que ce soit sur ma chaîne YouTube ou sur mon blog. Voilà, je vis aussi grâce à vous. Voilà, tout ça n'existerait pas si vous n'étiez pas là. Donc merci, merci beaucoup. Je vous donne rendez-vous donc la semaine prochaine pour le prochain live. J'espère que ça vous plaira tout autant. Plein d'autres choses, de publications, etc. D'ici la fin de semaine, il y a toujours le challenge du dimanche qui est disponible. N'hésitez pas à faire un tour sur la page et puis du coup, ça vous pourra vous donner une idée. Je vais aller voir les résultats de votre sondage aussi pour voir si je lance le projet de mini-kit des rubans et des embellissements. Bonne trempette, Muriel.
Merci Sylvie, c'est adorable. À la semaine prochaine, Kiki. Je vous embrasse très 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 fort. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Passez un très bon après-midi. Prenez soin de vous et puis rendez-vous la semaine prochaine. Ciao tout le monde!